Allez, allez, Sedan, allez, allez, allez de l'avant. Hénin pour gagner. Noro, Noro, il va frapper. Oh, quel but! Oh, quel but de Noro! Extraordinaire but de Noro. Placement de l'ensemble des Parisiens pour former un bloc défensif. Maintenant, il n'y a plus d'équipes qui veulent prendre un but dans les premières minutes. Ah, parce que c'est un handicap souvent. Oh, qu'il est bon ! Quelle frappe extraordinaire de Stéphane Noro ! C'est un spécialiste. Premier but qui marque comme ça. Hein. Vous l'avez dit, Michel, c'est un spécialiste de ce genre de coup-là. Une frappe soudaine et qui a surpris tout le monde, tout le stade. Ah oui, j'étais en train de dire que les équipes ne voulaient pas prendre de but dans les premières minutes. Eh bien, voilà le meilleur moyen, mais il est au moins à 25-30. Noro et Modeste Mbami. Ballon sur le côté droit, dans les pieds d'Oulida qui a changé de couloir. Oh, la frappe, elle est belle, et le but! Il est magnifique ce but de Stéphane Noro après 28 minutes de jeu en première période. Stéphane Noro qui libère les Sedanais, une frappe splendide. Avec le soutien de Tariq Oulida, il faut ouvrir un petit peu ses têtes pour Noro qui va frapper de loin, non. Il se reprend à deux fois. Oh, quelle belle! Quelle est belle cette frappe de Stéphane Noro qui est en train de devenir l'habitué. Début spectaculaire. Deuxième but de Stéphane Noro cette saison. Deuxième but pour Sedan ce soir qui mène 2-0 après 4 minutes en seconde période. Récupération quand même morale, mentale et physique des Sedanais avec ce centre. Centre et ballon distillé jusqu'à Noro qui efface deux joueurs qui frappent. Et c'est une frappe exceptionnelle dans la lucarne d'un Jeannot incrédule. Noro qui marque un but superbe, l'un des buts de l'année. Il efface, il frappe, c'est ouvert. Le ballon flotte et retombe dans la cage de Jeannot. Sedan égalise juste après que Piquion eut ouvert le score. Un but partout entre Sedan. Sedan a fait une belle première période. La preuve, les deux équipes sont égalités, un but partout. Le corner en deux temps. Et regardez, Noro qui bat Jérémy Jeannot au sein d'une défense stéphanoise totalement passive et apathique. Noro qui marque son doublé. Toujours cette frappe dont il a le secret. Enveloppé. Toujours bien emmené par Danik. Et le but
2. Sa frappe puissante ne peut qu'être effleurée par Fernandez. Encore une fois, l'avant-dernière place, hein. Rappelez-vous la composition tout à l'heure. Oh, elle est belle cette frappe. Oui, elle est sur le trou, Nelson. Noro, placer 1-0.